Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est une histoire et voici l'essentiel de l'actualité. Football continental pour démarrer ces éditions. La Renaissance sportive de Bakan et la Hassania d'Agadir sont qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la CAF. Une journée avant la fin de la phase de poule. Dans le match à WFC-RFC, les Béninois ont ouvert le score dès la deuxième minute de jeu. Un festival de buts pour la RFC pour le studio avec un hat-trick de la Zaraï, un but de Hamdi Rachid et un penalty confirmé par le capitaine Mohamed Aziz. Le Hassania d'Agadir s'est confronté, lui, d'un nul face au Nigérian du Enyenba FC. Sur le score d'un but partout, le club du Sousse reste leader de sa poule avec 11 points. Enyenba, c'est fini. En Ligue des Champions, le Raja Casablanca a assuré l'essentiel hier à Tunis face à l'Espérance. Les Émirats n'avaient besoin que 22 points pour valider leur qualification pour la star. Sauf que les hommes de la Macédoine ont fait match nul, 2 buts partout, alors qu'ils étaient menés au score en première période. À une journée de la fin de la phase de le Raja est deuxième du groupe D avec 8 points, 4 longueurs devant l'Aïssi Club. L'Espérance de Tunis est la leader du groupe avec 11 minutes. Dans le championnat national, l'AFA s'est imposé en déplacement face à la Renaissance d'Ousmane par 2-1. Un match comptant pour la 14e journée de la Botola. Pourtant,